Bon, alors un petit exemple en C rapidement. Bon, j'ai déjà préparé le bout de code. Donc, en C, comme tu le sais maintenant, très bon jeu de mots. On include les éléments dont on a besoin, donc stdio et stdlib, parce que j'ai besoin d'un certain nombre de choses, notamment les exit status. FNCTL, unistd, les types et le stat, j'en ai besoin parce que j'ai besoin d'accéder à des fonctions de gestion de fichiers pour faire les copies de fichiers. J'ai besoin de déclarer une taille de buffer, d'ailleurs je peux même faire plus que ça. Bon, je vais laisser 8192, mais sur un PC moderne on peut augmenter encore. Plus on augmente ce buffer là, plus on va charger en RAM d'éléments, plus ça ira vite, puisque ça fera qu'une seule passe. Et si on plus on réduit, évidemment, plus il y a un nombre important de passes avant de réussir à faire la copie du fichier, et donc plus ça prend de temps. Donc en termes d'optimisation du code, il faut jouer là-dessus. Donc quelques variables, donc stat, j'utilise ça essentiellement de sorte à pouvoir utiliser les éléments remontés sur le statut réel du fichier source et destination. Le NB char, c'est juste pour savoir où est-ce que j'en suis. Et ça, c'est le buffer, bien entendu. Je regarde ce que donne en paramètres l'utilisateur. Si le nombre de paramètres n'est pas bon, je l'envoie chier. Si ça correspond au mode read-only, je renvoie une erreur. Je teste si le fichier peut se faire ou pas. Si c'est un fichier irrégulier, genre permission manquante ou chose comme ça, ça m'envoie paître. Dans le cas contraire, je regarde dans quel mode on est, de sorte à créer le même mode en face. Si ça échoue, évidemment, je quitte encore une fois. Dans tous les autres cas, je remplis le buffer en mode caractère, que ce soit du caractère texte ou du data quelconque. Je prends ça en bloc de taille caractère. Si ça échoue sur l'écriture, je remonte une erreur write et je quitte. Dans le cas contraire, j'arrête. Si c'est une erreur de côté lecture, évidemment, je la gère aussi. Et dans le cas contraire, l'action se termine et point, ça se ferme. Voilà, point. Ok. Donc comme tu vois, le code est très concis. Par contre, il est concis parce que j'utilise énormément d'includes en haut avec des fonctions toutes prêtes pour gérer. Et en gros, 90% du code, c'est finalement contrôler les risques d'erreur et non pas faire l'action. Le faire l'action, c'est très, très correct et très simple. C'est la petite boucle while qui est en train de se faire. Alors voilà, je compile, il n'y a aucune erreur, donc on est censé pouvoir utiliser le fichier. Donc on copie.c dans tuto.txt. Là, ça fonctionne. J'ai bien copié dans Toto, ça fait bien la même taille, on est OK. Hein. Si je fais un 4 Toto.txt, on est bon. Voilà. Alors, si je mets pas de paramètres, je me fais envoyer chier. D'ailleurs, il manque un retour de chariot, ce qui est une erreur, c'est pas propre. On va rajouter ça tout de suite. Il y en avait un, mais bon, il a dû être bouffé. Comme c'est une sortie d'erreur, il a dû se le faire bouffer. Ce qui m'étonne. Erreur de nombre, d'accord, j'ai compris.
Il doit y avoir un caractère là-dedans qui ne va pas. Tiens, c'est curieux ça. D'accord, j'ai compris. Je suis un idiot. Et oui, j'utilise write en fonction extrêmement basique. J'utilise pas autre chose, donc je suis obligé de donner le nombre exact de caractères. Alors je vais même faire mieux que ça, c'est que je vais aligner mes messages d'erreur en affichant. On va compter ce que ça fait réellement ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bien ça. Donc ici j'ai dû faire la même ânerie évidemment. J'ai oublié d'intégrer mes backslash n. Voilà. Là, évidemment, ça marche beaucoup mieux. Donc, si je n'en mets qu'un, c'est toujours pareil, ok. Si je prends un fichier qui n'existe pas, il est censé m'envoyer pas être en me disant que ça marche pas. Donc ça devient la directory. Donc là, il renvoie avec le p-error l'erreur système correspondante. Donc on va interdire la lecture de Titi. Permission denied, mon test fonctionne aussi, très bien. Titi Toto, ça c'est bien copié, il n'y a pas de problème, ils ont bien les mêmes droits, tout va bien. Retour sur le code. Et oui, là j'utilise en fait la fonction native de write. Et la fonction native de write, il faut lui donner sur quel standard je sors. Donc 1 pour la sortie standard, 2 pour la sortie d'erreur. Donc stdout et stderreur précisément. Et le nombre de caractères, c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure, qui générait donc des erreurs. Donc évidemment, hein, quand on fait du code, bon là c'est un code extrêmement court, donc c'est un peu inutile les commentaires, mais dès qu'on commence à faire pas mal de lignes, ça vaut vraiment le coup d'en mettre beaucoup. Il faut que ce soit pertinent, hein. Charger une variable, ça sert à rien. Il vaut mieux décrire le rôle de la variable à ce moment-là. Là par exemple je me mets pas à faire si la description de la cible correspond à l'open machin nanania, ce serait ridicule. Puisque là on le voit effectivement, bon c'est pas super lisible mais on le comprend quand même. Par contre si on met, on ouvre et on teste la gestion de fichiers de destination, le mode est identique à la source, là c'est quand même beaucoup plus intéressant comme commentaire. Un commentaire ça doit être pertinent. Voilà, donc je te laisse faire quelques petits exercices, on regarde ensemble éventuellement si tu as des difficultés. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de C, donc je m'amuserai pas à te faire des vrais cours là-dessus. Alors, je te renvoie à tous les référentiels internet qui sont disponibles. Ils sont très très simples, très très courts, ils sont extrêmement efficaces. Il y a vraiment... aucune raison que tu n'y arrives pas, hein, tout le monde y arrive, tu trouveras de l'aide sur les forums, je te conseille développer.net en l'occurrence. Mais le C, franchement, c'est la base. Si tu veux faire un peu de code, apprends, bon t'as déjà commencé à apprendre des trucs, mais
Si tu dois apprendre plusieurs langages, franchement, si c'est juste pour t'amuser, comme j'ai l'impression que c'est le cas, si tu sais faire du force, du shell, donc du shell script bash, typiquement, ça je sais que tu as commencé à regarder, tu commences à devenir bon, tu vas voir que le C c'est un petit peu le même genre, les syntaxes sont différentes, il faut faire appel à des librairies, tu peux aller beaucoup plus loin dans la complexité, tu peux faire des choses beaucoup plus performantes. Déjà avec ça, tu as une très bonne base. Si tu veux lier ça avec des interfaces graphiques ou des interfaces web, tu apprendras plutôt le Python. Voilà, j'arrête là cette vidéo. Ça suffira pour aujourd'hui comme petite démonstration. À bientôt.